Je suis Nathalie Vesninck, pédiatre à la maternité Jeanne de Flandre. Donc le projet de peau à peau en salle de césarienne, ça fait partie du label EHAB obtenu depuis plusieurs années à la maternité Jeanne de Flandre. En effet, le peau à peau doit être proposé à tous les bébés dès la naissance, contre sa maman ou son papa, et aussi pour les bébés qui naissent par césarienne. Ça nécessite une coordination des différents intervenants, aussi bien obstétriciens, sages-femmes, SADP, anesthésistes et pédiatres, pour permettre que ce moment soit le plus serein pour permettre cette rencontre entre la maman, son bébé et accompagné du papa, mais tout en gardant une sécurité. Au départ, il a fallu plusieurs réunions pour montrer à tous les membres de l'équipe l'importance du peau à peau dès la naissance. Et puis après, il y a eu la mise en pratique. Et en fait, maintenant, ça se fait spontanément. Et c'est même allé au-delà de ce qui était demandé par le label EHAB, parce que tout le monde s'est rendu compte des bienfaits pour la maman, enfin pour la famille finalement, avec un bébé qui s'adapte mieux. Au-delà de l'attachement, il y a l'adaptation qui est meilleure du bébé, et la maman qui est beaucoup plus centrée sur son bébé, sur ce qui se passe, la rencontre avec son enfant, le papa également. Et si je ne me trompe pas, les anesthésistes remarquent quand même une moindre utilisation des antalgiques pendant la césarienne et des analgésiques. Le retour des familles concernant le peau à peau en salle de césarienne, il est très positif, et il n'y a pas besoin de leur poser la question, parce que juste en regardant ce moment que vit le couple avec son bébé, les regards qu'ils ont entre eux et la bulle qui se forme autour de cette nouvelle famille, il n'y a pas besoin de leur poser la question.